Face à l'opinion spéciale campagne électorale, bonjour les Baka Kolandabiso partout à travers le monde, nani banda tona kati mboka Congo mbote bana Congo nyonso éparpillé mbote nabino toza en pleine campagne électorale ba équipe ba susu ba sali ko kende koluka nenge ba kupuna bango moto na likanisi na ye moto na moto na mayele na ye moto na projet na ye po na kokamba mboka na mibu mitano ekoya lobby lelo spécialement na face à l'opinion spéciale campagne électorale nenge toza mais ça nous a offert découvrir bino ba équipe ba suso ba sali ko luka ko kamba mboka lobby to yambeli bino mukonalelo ndeko Philippe Moulenga azali cadre ya CDR ezali bongo courant des démocrates novateur parti cher ya ministre ya ndiskou mona mboka Philippe Moulenga mbote pe boyebola mbote mingi nayo ndeko et journaliste et mbote pe na balandi et mbote na confrère na yo Dan sur avec lequel vous partagez le plateau na li moko na lisanga ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Jean-Lucien Boussa oyo ali ministre ya commerce extérieur ou bien ba imboka mingi ba benga ka ema beke manswa ou bien Mundele Muindo donc wanande autorité morale. Il y a Lingomba ou Tobengi Seder, ou définir d'ailleurs très bien, courant des démocrates rénovateurs. Et Azalipe, Moko, Mukambi, il y a Lingomba, Mounine ou Tobengi Plateforme, ou Bengami, na Kombo, il y a Code, Code des Ali, coalition des démocrates, et na Yango, rectification, Moko, na Nyana Sala, et puis na profiter. Na y a bandé la mission, Kope, ça y est vraiment, Mbote, Bisekam, Bion, Bisekam, Nyo, Ali. Et puis nzamba tikala obeko batelaye parce que kende ko bongisa koleka mwana mboka tiseke dio azali candidat na biso pona élection ya présidentielle numéro 20 donc kende ko bongisa bisika kuna na gemena et binonyo so bomona ki parce que bilile tamboli image ezali réalité ezali Coco Saté, bon, c'est une véritable démonstration de la force. Très bien, merci beaucoup. Bolimbisi, Obongisi déjà. Toza Bongo, on a des codans, on a des sur ces plateaux, on a des codans, on beauté. Beauté, Madame Naomi, bonjour, monsieur. Bonsoir, bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, Molenga. Bonsoir, parce qu'on pourra nous suivre de toute façon en rediffusion. En rediffusion, j'espère que vous allez très bien. Bien habillé et merci beaucoup de prendre cette invitation. C'est une provocation. Je voudrais juste vous rassurer que le moment est plus que déterminant parce que nous avons l'intérêt, nous avons en tant que Congolais de sauver ce pays et nous devons le faire et pour ce faire, nous ne pouvons qu'être bien portants pour affronter ces têtes de militaires. C'est comme des policiers. Lorsqu'il faut remettre de l'ordre public, nous, en tant que les hommes politiques, le moment est déterminant pour nous pour remettre de l'ordre et que véritablement le président Tshisekedi puisse avoir son deuxième mandat. Très bien. Ozolobela likambeta limboka Congo, ozolobela likambeta liba candidat ya parti na yo, ozolobela pe likambeta li gérance ya candidat président de la République numéro 20, candidat waza candidat na propre succession na ye, selon yo lokola bozaye na bokondi et lokoni ne kosala que Tata Mokambi Kolo a se représenté lokola moyo azoloka deuxième mandat azala Azala a pona mali susu pona continuer musala bandaki. Tabanzi ki oyambaki économiste munene na yitando yi nene oyo ya bino ya Otobengi Congobez a démontré ki je ne veux pas citer son nom parce que azali compétiteur aussi comme candidat Otobengi ka challenger na maponami mais il a reconnu les efforts que le gouvernement a fait pour stabiliser d'abord notre économie. Vous savez l'inflation ou le la perte de pouvoir d'achat et Ali
Maye oyo ezali kosalema na bamboka ebele pona nini? Parce que monde mobimba et connaître ba événement mibale ya minene. Événement liboso ezali ki Covid et déstabiliser ba économie ebele. Événement mibale ezali guerre oyo ezali na Ukraine. Ukraine ezalaki oyo ezalaka mboka moko etando moko ya minene oyo fournisaka ba biloko ebele pour lesquels biso na Afrique to dépendaka pe. Alors ezalaki que bon voilà Bambo Kebele et connaître moins perturbation. Et puis surtout, la crise aussi due à ma yotobengi pétrole, oyo kouiko sungana ma ba misale ebele, oyo yamukili mobimba, et kouzala mituka kotambola ba usine, ko fonctionner. Eh bien, tout ça, malgré tout ça, gouvernement ya ekolo Congo, et tchaki loboko na poche. Pour na kouloba ete, il faut que paye sa yotobengi subvention, pour na kou stabiliser. Oyo babengi transport yango moni ba Kadhafi ebele otobenga ba Kadhafi bazali kozwa au moins 500 millions de dollars à la fin de chaque exercice ni tete ses efforts mon mboka nazali koyebisa yo ya solo ozali mopanzi sango mbele mboka na biso ndenge to ali boye to linga to 100 dollars peut-être na 50 parce que partout ailleurs l'inflation ou la perte ya pouvoir ya nani ya monnaie ezali entre 70 et 85% Wana ezali ba étude faite par la Banque mondiale et ali bisoté mais exceptionnellement pour mboka na biso attaque to perdre moi mouké pouvoir na mboka na inflation et salemi mais to ali na 38% donc qui sont le meilleur donc voilà moi na mboka Tshisekedi ali d'abord azali ko tia ba base d'une république oyo mboka oyo ya lobby o banana yo banana ngai ba ko ko se retrouver ba lo ba ndio papa na biso basala ki musala et puis on dit que baike ba okende ko zongi sa tata mokambi ekolo na anticipé parce que na linga ki na chuter et ali ma kambu ya elimine et non to lo bata 6 6 pona nini parce que ye moko alobi engagement et linga ko lo banini alobi te to kase elan oyo te bo pesa ngai li susu manda po usala nini alobi pona makambu ya création d'emploi mon mboka Tshisekedi à côté ici plus de 200 000 bah tout bah bengi bah enseignant oh bah c'est là qui bah monsieur bah ceux qui ne me salent mais salaire il a quitté à fouti salaire il y a enseignant plus de 200 000 mon ambo katiseke dia a sali que parce que à mon yiki yiki bilingam bilinga yali kati na magistrature na biso ou appareil judiciaire à l'hôpital recruté 5 000 magistrats bah magistrats on a besoin de la formation ça fait 3e mois mais bah ça payé vous comprenez, mingi bazali ki na chômage, mingi bazali ko tambola, ko tcha, ko pesa o to bengaka, CV, j'ai l'honneur, le poteau est kiti mingi, mais bazwa misalate. Mais moussale yé, bazali ba concours 5 000 à travers la République. Ce que vous sangi, c'est plus de 200 000, to komi déjà na 205 000. To koti na maïe matali, na zolo bakaka eloko moko. Oyo to bengi création d'emploi. Oya lobby, engagement na yazo pesa ba Congolais. Bah, Congo mani banso alobi il faut véritablement vous pouvez sangai mandat ni balé parce que nazali ko pesa ba engagement création d'emploi combien d'emplois ils ont déjà créé pendant ces 5 ans pour que bandira toi parce que yango moni nazo ya nolati na lobi na linga na pesa ba détail parce que ce qui na lobi ki que on a créé plus de 500 000 emplois ou langa ki ko ganga ou bien ba imboka o bazali nzinga bazali ko landa biso na etanduike ba linga ba loba tata ou abouki l'ukuta te nazali ko pesa nde ba chiffre parce que biso tozali pouvoir à l'ukuta te to ay pouvoir ya ba miyibite to ay pouvoir ya ba oyo bazali ko luka obe kongomani a le malam obe congolais a se retrouver et congolais a la respecter parenthèse boka na biso ezala ki tozali ki neti bababa tozali ki koyoka na te na ba auto bengi ba association ba régional ba nini oyo bisika mingi oyo ba konzi mingi ba fanda kapona ko déterminer vision en mboka ya monde monsieur Philippe to zala kité zala na silisa ça c'est très important parce que oyo ezala campagne to lobby Tshisekedi a du pouvoir oyo to bengi Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali candidat numéro 20 a beti ba tour a kei boye finalement le lot mboka na biso to zali koyokana mboka na biso bazali ko respecter Bokanabiso tozala qui dirigeait pendant 20 ans par Baba Bato Babandoko Lobate. Baoyo bazali qui obeko yiba musana bango obeko tala
bonge koti boni na Mais si on a manié la mamala, mouton au lobby qui m'a dit que bandit que yokana to comme respecté, bandorango direct sur Bakongoman et Zalini parce que Bazo acquise chef de l'État, comme ça la ba voyage et l'équipe est belé, mais retombe penza na banamboka et mon anité. Azali copé sa moko kaka, amoué koke nena et belé parce qu'un gongayali mouke, parce qu'un aléki a pour un tato là, ba engagement au Ezali 6 au Sambo, je pense. Pourquoi il faut réélire mon conseil Mbok? Et là, quand il est il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui environnement. Comment il faut protéger l'environnement? Comment il faut faire ceci? Bon, quand il y a des gens qui ont été élevés, il y a des gens qui ont été la biodiversité, minene biodiversité, Banzete na biso ezo permettre à ce que mokili to yonangai to respirer malam pamba te tozo détruire na makamu mingi tozo sala biso te mais mingi ba pays développé bazali ko détruire ba bengi couche d'ozone et puis et ko sala que moto ezala makasi ou bien et créer autre bengi des règlements climatiques mon amboka tisekedi na ba ma bisika nyonso na ba réunion nyonso ba no seulement. Pendant 20 ans, beaucoup d'habits sont les qui sont représentés par deux fois un ministre. Et le ministre va vendre le royaume. Moi, je suis en train de dire que j'ai commis. Quelles sont les retombées de Les retombées, c'est là que je chute déjà. Moi, je suis en train de dire que j'ai commis. Je suis en train de dire que j'ai commis. Je suis en train de dire que j'ai commis. Mais je suis en train de respirer les lots. Et à la malade, je suis en contribuer à 40 ou à 50% pour la forêt équatoriale. Bundi, d'abord, je suis vice-présidence. Il y a ma gambouane. Je suis retombé dans le pays. Paiement de taxe carbone. Déjà, la discussion, déjà, lobby dimanche ou dans dimanche. C'est ce que je veux Quand ici, dans Dubaï, il y a ce qu'on va définir, va signer ce qu'on va accord. Pour Nambo Cannabis, par exemple, 300 millions ou 500 millions. Pour na tina ya forêt na biso to zali nango ou ezali stabilisé. Wana ezali otobengi bataille munene pour réussir sur le plan diplomatique. Très bon domaine que vous évoquez, le domaine environnemental. Vous avez ces objectifs de développement durable. Aujourd'hui, la RDC en est où dans l'accomplissement de ces ODD aujourd'hui? Le ODD, c'est un domaine très vaste et où vous avez pas mal d'objectifs. D'ailleurs, moi, j'en connais un ou deux pour lesquels je peux vous parler. En ce qui concerne l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité pour les populations du monde entier. On est où avec ces objectifs-là? Je veux vous dire, tout rime avec quoi? Tout rime avec l'économie d'un pays. Lorsque vous fixez des objectifs, au Monimundé Lakoya, il va amener un programme. Il vous dit, voilà, nous constatons à travers le monde, il y a plus de pauvres, il y a plus de populations qui n'accèdent pas à l'eau potable. Il y a plus de populations qui n'accèdent pas à un certain service public. Alors que nous sommes au 21e siècle, il n'est pas normal que Bissona Yotona Tabakavati Boye, pendant ce temps, il y a nos compatriotes qui sont dans la forêt équatoriale qui ne connaissent pas les habits. Voilà! Il y a aussi un objectif pour réduire la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, c'est parmi les objectifs du développement durable, de Otobengiba ODD. Alors, je crois que, Waneza domaine beaucoup très vaste, nous allons le faire. Et chaque pays signe Otobengiba engagement. Yango Moni, président de la République, on est à quelques années. 2030, c'est dans 6 ans. Yango Moni, président de la République, Oyazali en fonction. Oyalingiko, Kozoa, mandat Mibale, il demande à ce que le peuple lui fasse confiance. Je venais de dire ici. La réduction. Parlons de la réduction de la pauvreté. Qu'est-ce qui a été fait parce que c'est parmi les objectifs de développement durable. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là pendant ces 5 ans, allant dans le sens de réduire la pauvreté ou d'y mettre fin carrément? Qu'est-ce qui a été fait? Je crois que la pauvreté, pour la réduire, il y a plusieurs piliers sur lesquels il faut se baser. Et c'est comme ça que si vous m'avez laissé le temps de parler des engagements du chef de l'État, c'est autour de ces engagements que l'action gouvernementale,
Je parle des engagements futurs, mais je parle en même temps, c'est comme je venais d'expliquer en Lingala tout à l'heure à madame la journaliste pour lui dire, Naomi, pour lui dire, par exemple, le secteur de création de l'emploi, les efforts ont été faits, mais tu sais qu'il dit aujourd'hui, dit, je peux encore faire plus, et il fixe même le target pour dire, dans les 5 ans, années à venir, en ce qui concerne le secteur de l'emploi, je dois en créer 6 millions. Mais d'abord, qu'est-ce qui a été fait avant de penser faire en plus? Mais je suis en train de répondre, monsieur Dan. Je dis ceci. Le premier engagement que le chef de l'État prend pour que le peuple congolais, vous avez aussi le droit de voter, monsieur Dan. Je sais que vous allez voter Fayoulou ou bien une autre personne. Parce que déjà, au départ de votre discussion et la manière que vous posez des questions, je comprends que vous avez des tendances. Donc, que cela ne tienne. Mais nous allons les battre à plate couture. Ça, c'est évident. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas... Je suis journaliste, M. Philippe, nous ne sommes pas... Le vote comme les autres qui ont gouverné par le passé. Nous sommes de ceux-là qui parlent avec toute honnêteté, qui parlent et qui font des choses avec précision. Et nous ne le faisons pas de manière d'à peu près. Nous avons des chiffres et nous les présentons. Vous n'allez pas nous dire, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui qu'avec les 145 territoires, une structure comme PNUD, vous n'allez pas douter quand même de compétences des acteurs qui travaillent au niveau de PNUD, pour lesquels l'État a donné de l'argent. Le mandat est arrivé à la fin. Ils ont fait un rapport. Ils ont fait un rapport des infrastructures qu'ils ont construites. Et vous n'allez pas me dire que si PNUD, CCF et que le BCECO, même si c'est dirigé par un Congolais, mais ce sont des institutions de Bretton Woods qui ont un œil regardant le nom de 3 écoles qui ont été construites à Kinshasa. Dans ce cadre-là, des PDL 145 territoires. Je crois que vous savez, hein, je n'aime pas des questions tendancieuses. Ces questions-là, nous les suivons partout où tous les charlatans passent. Non. Laissez-moi terminer. Et ça, il y a tendance, c'était une déco. Donc, voilà, vous construire. Mais je dois répondre, non. Oui. Je dois répondre. Vous rompez ça, quand même. Je réponds. Oui. Je réponds en disant ceci. Oui. Vous êtes des journalistes. Oui. Vous avez la latitude et les compétences. Chaque fois, vous avez le téléphone, des fois même pour nous appeler, pour venir. Des fois, on s'appelle sur des réseaux sociaux. Vous pouvez accéder. Lorsque vous-même vous découvrez qu'il y a eu autant d'écoles qui sont construites. Parce que tout ce que je vous dis, ça se trouve sur les réseaux sociaux. Nos compatriotes qui nous suivent, que je regarde sans froid aux yeux, je leur dis, vous entrez sur le site de BCECO, vous avez la localisation de chaque école qui a été construite. Vous entrez sur le site de PNUD, vous allez voir la localisation et le niveau d'avancement de chaque école. Donc moi, vous n'allez pas quand même me demander. Non, il y a de structures qui communiquent sur ça. Moi, je retiens seulement parce qu'ils ont fait un rapport pour dire qu'ils ont construit plus de 2000 écoles dans un espace de 2 ans. Vous me posez la question, dites-nous, l'école qu'on a construite, c'est où? Mais je peux vous citer seulement une école que j'ai vue qu'on a réhabilité. À Kantiati, j'ai vu qu'on a réhabilité. Je crois ici, à Bandal, j'ai vu une école qu'on avait abandonnée, d'ailleurs une école publique, j'ai oublié le nom, qu'on a réhabilité. Il y a pas mal d'écoles qu'on a réhabilité comme ça. Et ces écoles, au-delà de ce qu'on a construit, il y en a qu'on a réhabilité. Et j'ai suivi une fois Mabi, qui est le directeur général de BCECO, dire à l'intérieur, on ne pouvait même pas parler de la réhabilitation. Tout était détruit. Monsieur, et on a tout reconstruit. Monsieur Philippe Moulinga, voilà. Monsieur Philippe Moulinga, pendant ces 5 années, parlons des entreprises publiques, des entreprises de l'État congolais, lesquelles... Parce qu'à un moment donné, à l'époque de Kabila, on les appelait les canards boiteux. Aujourd'hui, 5 ans après le mandat du président Tshisekedi, dites-nous quelles sont les entreprises qui ont été relevées. Je crois que cette question, elle est pertinente. Oui. Au point où elle s'inscrit d'ailleurs dans le 3e engagement du chef de l'État. Mmh. Où il parle de la création d'une économie compétitive et diversifiée. Comment une économie peut être compétitive lorsque elle n'est pas soutenue par des entreprises ou des usines de production? Monsieur Tshisekedi a trouvé la régie des eaux, pour ne citer que cela, parce que j'ai vu moi-même
dans le cadre de la rédévabilité sur une des chaînes nationales, où le DG de la régie des eaux est revenu avec chiffres à l'appui pour dire, à leur arrivée, il y a une année et demie, ils ont trouvé la régie des eaux avec un chiffre d'affaires, X. Il a démontré qu'ils ont augmenté même le taux d'accès à l'eau de la population à 36%. Nous tous, on savait, quand le régime précédent est parti, ils ont laissé le taux d'accès à l'eau pour la République démocratique, pour le peuple de la République démocratique du Congo, à combien? C'était à 20. À 20. On a augmenté de 16% la population qui a eu accès à l'eau potable. La preuve en est, ici pour ne citer que deux usines qui ont été construites ici. L'usine Lemayimbo et l'usine de Ozone, de bijoux dans le secteur, et surtout celui de l'Ozone. Vous pouvez vérifier, je sais que vous circulez beaucoup en tant que journaliste, à travers le pays d'Afrique centrale. Il n'y a aucun pays qui a construit une usine de transformation ou une station de pompage à de telles capacités et de telles dimensions. Donc, Kinshasa, on n'a plus, le problème. Vous, vous avez cité, il n'y a plus de problème d'eau à Kinshasa. Je n'ai pas dit tous ça. Les quartiers vous m'avez posé la question. Monsieur Dan, monsieur Dan, vous m'avez posé la question de savoir, citez-nous une seule entreprise depuis que Tshisekedi est au pouvoir qui a connu un relèvement. Je vous ai cité la régie des eaux et je vous ai donné des éléments de réponse. Vous n'allez pas me dire que j'ai mal fait en répondant à cette question. Et je continue. Parce que nous sommes au niveau des entreprises. Oui. Monsieur Tshisekedi est allé plus loin. Il a connu ses prédécesseurs. Personne n'a créé des zones économiques. Nous en avons ici à Kinshasa, vers Maluku. Aujourd'hui, pour une fois, nous avons un carreau produit sur le sol congolais. Vous n'allez pas reconnaître ça? Et il y a des compatriotes qui travaillent là-bas. On a engagé. Au moins pour une fois, nous produisons quelque chose qui sort sur notre sol. Et là, sur les zones économiques, là, il n'y a pas que les carreaux qui sont produits. Il y a pas mal d'entreprises qui sont là-bas que je ne peux pas donner de détails parce que l'émission n'est pas sur ça. Et puis, je vais aller plus loin. Pour une fois, on a quand même monté. Les pièces viennent d'ailleurs. On a monté les bus sur place. Vous avez vu dernièrement, on a fait une sorte de caravane avec une centaine de bus qu'on a finalisé ici, monté sur place par des ingénieurs congolais, alors que ces ingénieurs étaient au chômage. Donc vous comprenez que le secteur économique embrasse un peu tout. Vous avez non seulement la production qui est soutenue, mais vous avez la création d'emplois. Et ça, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas créé des emplois. La République démocratique du Congo est un État qui dépend essentiellement... Vous allez poser la question. Oui. Pour la toute première fois, je dis encore que les compatriotes qui nous suivent nous contredisent. Pour la toute première fois, un gouvernement ou un régime qui a donné de l'argent aux entrepreneurs congolais, ça n'a jamais existé. Le Tshisekedi est le premier. Le millionnaire congolais. Non seulement... Parce qu'il n'y a pas que de millionnaires. Mmh. Et surtout, vous les femmes, madame, il ne faut pas rester seulement dans le journalisme. Vous avez l'opportunité d'avoir même un 100 000 dollars pour créer même l'entreprise, pour transformer les choux ou nos piments qui viennent, qui pourrissent ici à Bakongo. Et vous pouvez monter cette entreprise. Et vous avez les capacités, vous en avez les aptitudes. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'accompagnez pas? Il y a des femmes et aussi bien des hommes, monsieur. Pourquoi vous n'accompagnez pas des jeunes à pouvoir matérialiser ces gens de vision? Je vous dis que depuis que ce programme a commencé, on a créé le FOGET, on a créé ANADEC. Ce sont des structures qui sont mises en place pour que Congolais, tu as une idée créatrice, une idée qui émane en toi. L'État est prêt à accompagner chaque jeune qui est capable. Vous allez voir, voilà ce qui passe. C'est mon président, il s'appelle Jean-Lucien Boussa. Il est candidat numéro 13 à Boudiala. Pourquoi il veut devenir... 113. Oui. Pourquoi il veut devenir député encore? C'est évidemment pour accompagner la vision du chef de l'État. Il l'a accompagné dans le ministère que lui a dirigé pendant 2 ou 3 ans. Dans le gouvernement Samalo Kondé, avec des résultats palpables. Et je crois, notre, pour une fois, ça c'est encore un secteur important,
pour une fois dans notre pays, et surtout dans l'histoire de notre économie, nos exportations sont passées à 100%. Vous pouvez vous imaginer les efforts déployés. Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on exporte? Il y a eu des travaux. Notre café aujourd'hui est exporté à partir de chez nous. Alors que pendant les 18 ans ou le 20 décennies, le 2 décennies du régime que vous connaissez, que vous avez soutenu d'ailleurs à un certain moment. Moi? Je parle vous. Je ne parle pas de vous en tant que journaliste. Alors, je parle de ce genre-là qui viennent ici. Quelles sont les retombées? Mais laissez-moi terminer, monsieur Dan. Les retombées économiques. C'est important. Vous posez une question, laissez qu'on vous réponde. Tout à fait. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on exporte. Je vous ai dit notre café aujourd'hui. Notre café aujourd'hui, il sort chez nous avec notre marque Made in DRC. Alors que pendant les 18 ans, ça traversait l'Ouganda, ça traversait le Rwanda pour être exporté. Qu'est-ce que nous n'avons pas exporté? Notre or, notre cobalt. Notre or est passé à une modique quantité qu'on exportait. Aujourd'hui, on parle de tonnes. Qu'est-ce qu'on exporte? Et ça, ça n'a pas existé. Il y a une volonté. Ça, c'est les matières premières, monsieur Philippe Moulinga. Non, vous avez parlé. Je parlais du café. Le café n'est pas une matière première. Vous parlez de là, vous parlez des produits agricoles qu'on est en train d'exporter. Je peux encore en ajouter. L'exportation, la RDC exporte essentiellement les mines. Ça, c'est ce que nous savons. Mais quand vous allez dans les produits agricoles, là, nous sommes pratiquement absents. Nous importons presque tout, M. Philippe Moulinga. Vous avez là-bas une candidate de notre parti, le numéro 956, Dissika. Elle est candidate à Tchangou. Je demande à tous les amis de Tchangou de pouvoir le voter massivement. Je reviens sur votre question, M. Dan. Oui. Vous savez que vous avez senti quand même que nous sommes très déterminés. Et c'est comme ça, même au départ de mon langage, vous sentirez que nous ne faisons plus de blagues. Parce qu'on nous a habitués dans ce pays par des gens moins instruits. Des gens sans diplôme, qui ont eu, peut-être par chance de l'histoire, s'est retrouvés dans un poste X, dans un poste Y. Ici, nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que le Congo peut compter sur ses compétences, que le Congo peut compter sur ses dignes fils que lui-même ou elle-même, comme la RDC, a formé. Et nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes en train de vous démontrer que le secteur, par exemple, de création des entreprises, nous avons, je disais tout à l'heure, qu'on a donné à plus de 400 jeunes des idées réelles. Ils ont monté des start-up qui sont fonctionnelles. Et chacun, avec son idée, a engagé le minimum entre 4 à 15 ou 20 Congolais. Et ça, ce sont des emplois réels. Tozongela, Mokondi a parti Nayo, Wazali, Roman Kukamba. Oui, le numéro 113. Oui, oui. Quand vous dites que Asali Mosala Bele, Tokomi co-exporté, Tokomi niveau Moussousso, concrètement, Akutaki Mboka, Wapi, na domaine Naye, na secteur Naye. Je suis un peu plus de temps. Et ça est évidemment aussi période de bilan. Au moment du ministère, on a un bengi commerce extérieur. Vous comprenez? Parce que quand le meilleur est à la quitter ou le meilleur est à la quitter. Mais moi, dans mon cas, dès ici, quand il y a ba, muto a eli mayel, azali la capacité à transformer. Azali a capacité à porter ma solution na ici que ya kuti ezali ya kokufa. Vous pouvez vous imaginer dans un pays sérieux, notre service de mercurial ne fonctionnait pas.
alors que c'est un service clé du ministère il y a commerce extérieur. C'était même suspendu, ça n'existait pas. Mon emboka commis à 8h. Mais Mercurial, Togoyeba, papa yabakoyeba, batalo yabilo qu'on a biso, ndengenin. Et j'ai la kakama, bankita, oyo, mon emboka nani, dana l'obite, oyo babenge ba minere, te. Mais il y a les pays biloko, kili kili, oyo bimaka, na katia ngumba, yamboka na biso. Ba biloko ana, il faut toye ba biso moko, de toko déterminé, prix nango. Et là, on dit, mon emboka, Jean-Lucien Boussassali. Koko ma komi, ils allaient dans l'organisation Moko Tobengi à Goa. Et ali cadre Moko d'échanges commerciaux entre les États-Unis na Bamboka Kilikil. Mais na cadre wana biso tous à la quitter. Avantage à cadre wana ali nin. Et ali qui a qu'au permettre, qu'au faciliter que bilo comme sousou ou ya ingumba na biso et kende kuna na États-Unis sans que yofuta bampa kukuna. Vous allez qu'au comprendre. Oh, tous au benga na cadre ya suppression des barrières tarifaires. Vous comprenez? Wana et ali ba réalisation na cadre au moni na boyaki na pesa ngo kaka na cadre ya ministre moko mais et ali ba effort ya gouvernement mobimba yango ngana na zai kolobake mwana mboka Tshisekedi aziali oyo a trouvé a sélectionné pe bana mboka moko oyo bazali ki na makasi bazaki pe na bwanya kanisi comment ko accompagner na oyo to bengi implémentation ya visa donc konona vision naïe pour se matérialiser et comment batunyo soba mona comme na lobby wana lelo mama soko produire denga na pesho moi filière moko kende pour na ko sala tomate nani piment piment na biso pilipili e bando kende na États-Unis pilipili so ya biso soko ezo kende kuna e futa kampa kote donc yo ko gagner ming parce que okokoma kuna okuta la marché kuna piment bazo teka ngo combien na tonne eza combien okoko koteka okozwa mbongo ebele uzongi et puis entreprise na yo okikende liboso wana eza ba effort zela na zo chiter na réalisation moko asuka ati en place otobengi anapex ezali agence nationale oyo ezo sala pa promotion ya ba exportation oyibi yango tolobaki awa na ebandeli na lobby que mboka na biso tozalaki dirigé par bababa le lot au moins de komi na bato bazo loba Mouto a kokende neti mwana mboka Jean-Lucien Boussa, bazo sala ba expo, expo moko e salama ki na Dubaï, ba je crois que l'année passée, a komi kuna, ba salipe expo na biso, ba présenter, ba biloko biso tozali na ngo, oyo ba tou, oyo ya libanda ba kokipe koya koluka, pour na ke, ba na cadre ya échange, mboka na biso e gagne, na ndenge ya makamo matali exportation, na importation. Donc, na banzi ke moussale salimi makasi, tant on a zoye bisayo ke, exportation na biso commune à 100% et zaka ka matière première té dingé mwana mboka dans na lobby et c'est biloko kili kili kende kende na port hormis ka ka oyo tu ko tanga mususu nini tango zo loba exportation commune à 100% té tant na lobby commune à 100% na lobby ki emati emati valeur na omoni oyo ezay ki liboso je donne un exemple ce qui bongo to bando rejoindre na exportation ezala ki 1000 dollars ce que 100% 1000 dollars est à combien 5000 non tu le but est que biso to comme ko exporter à 100% tu le but boy mais façon to tindi biloko na mbongo ezongi na cadre ya exportation ya biloko na biso to multiplier en go façon c'est ça ce que je voulais dire. Alors, monsieur, et ça ce sont des efforts monsieur Philippe Moulinga on a comment dire deux provinces ont été sérieusement touchées par la faim. On va parler de, on va parler même de deux régions, la région du Kassai et la région du Katanga. Les deux provinces étaient sérieusement touchées pendant un moment. Pénurie de maïs, on a vu une délégation ministérielle aller dans trois pays sud de l'Afrique du Sud, la République sud-africaine, la Zambie, et même, ils ont même été, je dirais même en Namibie, pour justement échanger sur la question de l'exportation du maïs. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui a 80 millions de terres, d'hectares arables puisse aller négocier des ministres, une délégation ministérielle, puisse se rendre dans des pays sud-africains ou qui n'ont pas les mêmes potentialités agricoles que nous, Congolais. Est-ce que c'est normal? La Banzi, il ne faut pas se faire poser des questions sélectives. Il faudrait, à Otozan, en période de campagne, tant qu'on a l'équipe Boé, télévision, ils allaient en Gongamouké. On attend aux autres une question à maïs. Question à maïs, c'est tout ça là, on débat à Némoubimba.
tout de suite, Pessi déjà, Babiyano, pour nous le bac, il faudrait que, même Tshisekedi, président de la République, non, ministre de l'Agriculture, c'est là que je voudrais vous répondre. Pour la toute première fois, même ceux qui toujours organisé ma Ponami, la loi de finances, il y a un EOU, ils allient que réserver pour l'agriculture 25%. Ça s'appelle volonté politique. Alors que, tant au moins, dans mon cas, tu sais qu'il y a continu à Bokunzi. Mais retombé. Tika, je crois que je voudrais quand même répondre en français. Quand tu sais qu'il a pris le pouvoir, notre loi des finances, la ligne qui était réservée au ministère de l'Agriculture, c'était combien? C'était 2,5%. Vous pouvez vous y rendre compte? Un pays sérieux où les gens construisent des immeubles? Un pays sérieux où la population doit être nourrie? Mais pourquoi les retombées? C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on a produit? On ne transforme pas par baguette magique tout un processus de développement. Je crois que d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, que M. Tshisekedi n'a pas gouverné seul pendant 5 ans. Ça, c'est un débat que nous ne voulons même pas. Nous nous contentons. Il a gouverné pendant combien d'années, M. Tshisekedi? En tout cas, vous savez bien plus que moi. Bande Colombie, Moussouana, Bazala qui est agité, pour nous freiner, que Tchaye, Otobengi, Bandete, Katine, Omoni, vélo, vélo, ce qui est au Tamboula, ce qui ou bien moto, Zwanzete, Amounen, Kotisakun, Moutouana, Kokwe. Donc ceux qui te l'ont, Toloni, Teza, FCC. Tetononi, Toloni Mingi, Toloni Nini, Toloni Masangwe Bele, Service National. Est-ce que tu sais que Dine Moutouana, c'est service national? Moutouana, c'est service national, et Zali Mouanamboka. Musée Laurent Désiré Kabila. Combien les Congolais? Tika, yo, omoni yo, zamisik. Tango ye akoufi. Omoni batoua na bandongolomi subilo ka basalake. Baboma service national. Bape sa ma kokite na service national. Pendant ce temps, bango moko bazo sala biloko na bango moko ba ferme. Bango nyonso, o nyonso ba yiba. Basalika ka ba ferme la bango obe bango moko. Li bando ko mona ni tezali forêt. Mais tango ko kota na kati villageiture. Il y a un autre lobby que Batouana Bazala qui pour nous ça, il s'embocate. Tu sais qu'il y a un canicia sika. Il y a un autre lobby qui répond. Tant au service, tu sais qu'il y a un autre pour Konzi. Alors, moi aussi, service national. Combien de Congolais bazo vivre dans ma sang ou ezo bimana service national? Moi, je suis Naomi. Nazali Koye Bissao Lelo. Et Zali rappelle seulement. Tu sais qu'il y a un autre lobby qui est Kinshasa. Il y a plus de 1500. Les lots basali transformés. Bamoussou, Batindi Bango même en Afrique du Sud, Bake Koye Kola comment mécanisation y a ba tracteur. Mais y a, vous voyez qu'il y a une volonté politique. Les gens de Makala, je crois que Massima, nous avons. Je suis en train de terminer. On vous suit, on vous suit. Je suis en train de terminer on vous ma regarde, réponse. On vous regarde. Lorsque Mwanamboka a activé service national, production et maté, Toboïté, et Koukozala, ba pénurie et salaka. Parce que vous pouvez produire plus de l'eau. Lobby, Monica Kabandogolomi, surtout dans le secteur, il y a commerce. A couru que son mango est belé, a bombé quelque part. Ou en année, il faut le service de la bisonnette. Oyo, les alliés, Kota, la Makambo, l'économie, bas à la très vigilant. Parce qu'à citer deux provinces, il y a bandit que l'eau, Makambo, les alliés sous-soutés. Qu'est-ce que le président de la République a fait encore? Dans le cadre de la ministère, il y a agriculture. On doit plus communiquer parce qu'on a donné des opportunités à tous ces fermiers qui ont des espaces et qui ont la main-d'œuvre et qui peuvent encore recruter la main-d'œuvre ou leur ont donné des semences et des moyens d'accompagnement par l'État congolais. C'est pour augmenter la production nationale. C'est comme ça que moi je parle. Il y a objectif 3 ou 4, bâtir une économie forte et compétitive. Économie n'a pas besoin de faire des choses, ce qui est le plus important. Et le secteur le plus important, c'est le secteur et agriculture où il faut créer l'économie d'échelle. Monsieur Philippe, vous comprenez, il y a un an, il y a que déjà l'année passée, budget et agriculture est acquis 13%. Monsieur Philippe, et cette année, on projette pour que l'année prochaine, et à la 25%, il y a budget national. Parlons et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté de financer le secteur productif pour que
bah production na biso ce que tole biso moko to koki to tondi to koki maintenant ko exporter en Liban. Monsieur Philippe Moulenga, parlons de la sécurité de notre pays, la RDC, les forces de l'EAC. Ah wana jali candidat na biso Jimmy Boloka ali moko kati ya Lingomba CDR. Azali candidat na Barumbu parce que au début que bana Barumbu nga nazali notable na Barumbu nazali na ONG munene tobengi Kabola Liba, partageons le pain, c'est ça même la vision d'ailleurs du chef de l'État. Il redistribue les richesses en donnant l'enseignement à l'éducation fondamentale aux Congolais, il redistribue les richesses en donnant vraiment les soins de santé à toutes les mamans qui sont aujourd'hui enceintes, c'est-à-dire la maternité gratuite. Maman, ce que au Kobota, yeba que le Congo est bongwani, au Kufuta atamba no mokote, atalo meyate, au Kobota ofele, et c'est une réalité. Voilà la vision du chef de l'État. J'appelle tous les amis de Barumbu de pouvoir soutenir le pasteur Boloko, qui est un de nous, et nous croyons, une fois dans l'Assemblée provinciale, nous pouvons devenir de sénateurs. Pourquoi pas nous battre pour prendre la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa a eu des problèmes de gouvernance. La ville de Kinshasa a eu des problèmes de gouvernance. Je pense que nous y reviendrons peut-être prochainement. Ah, il y a la qui est. Au moins, biso, c'est le Congo entier. Du coup, na wakukuta ba Congo, ba Swahili, ba Luba, neti biso, na ba tumsus. Donc, wana, il y a le mot qui est wana. Azali numéro 313, député provincial. Bana tiango bo voter na Kimbante que parce que ngai ville de Kinshasa tokobunda na bango. Hein? Donc, tout ça la manse pour que tu récupères ville à Kinshasa. Tu as la compétence. Oui, Kati, na biso na lingoma na biso. Mon nom est Jean-Lucien Boussa à l'Obaka. Un grand Congo, tout ça la moi, vision moko. Et aujourd'hui, Mukanda Munene, depuis 2013, on te comment un grand pays, une grande vision pour un grand pays. Et Kuna na Kati, Okokuta, Makambu, Ebele, Oilelo, Moussousou, mon nom est Tiseke, du Père Azali, Nangu. Parce que ma canisia malamu, okoko tango na batumi wale misat. Maman na kosi. Ah bon, yoko yano la te, mais nga moko na yano lindio. Bon, continuez. Bon, je crois qu'on va peut-être prendre quelques minutes, hein. Peut-être. Otouni makambo à sécurité. Oui, je devais répondre parce que na mona ki ba photo ya baninga. Attendez, attendez. Oloba ki makambo à sécurité, mais kala yano la te. Non, j'ai pas encore posé la question. Ok. Patientez, patientez. Alors, défendre on va continuer. Vous savez, le 6 engagements, je le dis, le dicte directement. Il y a créé plus d'emplois, il a fixé le target à 6 millions d'emplois créés pour les 5 ans à venir. Il a parlé de bâtir une économie compétitive et diversifiée, telle que je venais d'expliquer comment il va procéder. Il a parlé de la sécurité pour tous. D'ailleurs, la question qu'il voulait venir, la sécurité pour tous, c'est comment? La sécurité, ce n'est pas comme certains candidats qui sont candidats président de la République. Azoko sabatuke non, madame, oh akusi sabitumba na simwa na majini. Okusi sabitumboza na armete. Aussi, c'est Butumboza le mandou qui était. Tous à la qui embargo, réalisation anti-sécurité pour la sécurité pour tous. Le lot armé Nabiso, Balongoli, embargo. Le lot tous à l'île, Namakoki, la possibilité à consommer mandou qui partout. Mandou qui a le lingue news. Oui, ils ont peut-être les amakoki, il faut tous à Makoki et Bélé pour te former. Le lot, Namboka Nabiso, dans le secteur de la sécurité, moi Namboka Tisekedi. A tient en place réforme moko munene oyo a tient mukanda o to bengi na lopoto loi ya programmation militaire et ali pona nini et ali pona ko définir armée na biso ko tambola ndenge nini mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que armée za mal au moins dans secteur sécurité wana ezali encore engagement 4 engagement ya mitano ezali accès aux services publics de base à tout le monde mais nini. Et ça lit maï, et ça lit courant, et ça lit soins de santé, et ça lit éducation, et ça lit colia. Comment il faut balia? Il faut mettre les mécanismes. Je veux terminer. Sixième engagement. Maman, il y a que ça la net y était. Sixième engagement. Sixième engagement, et ça lit nini, et ça lit combattre l'économie nationale et services dans le. Donc voilà un peu vision d'un candidat. Aïe, il y a le poteau, il y a pas. Aïe, à l'objet,
na secteur boy tala makambo na salaki vision bope sangai pe bope sangai pe possibilité pour na réaliser mususu moi na mboka na omi il faut vision candidat oyo solo belawana esa parole évangile te oyekara ba moto ndimi amen to ndimi parce que tant ozolo ba to recréer ba emploi combien autant Falloy bisabiso 5 ans bosali bo créer combien d'emplois. Donc on va te repé sa kimia to sécurité na ba union so. Boy bisabiso beaucoup ta mboka wapi ton bino koma ki M23 za yakité. M23 yé lelo bunagana ba mboka ebele za maboka banguna. Bo bengeli biso EAC, ono EAC simbi susté to arrêté na EAC comme Sadek. Nous les rassurer biso que Sadek le but en akoya kimia e kozon. Mais bon c'est la besoin d'une évaluation, ya mo repé sa biso makanisiya o ekoya. Neni to sala biso confiance. Autre question malamu. Mais question wana ata ba yibazali ko landa biso ba comprendre déjà sina ya no lag na lobia wa boye mona mboka tisekedi a lobi azali na 6 engagements na 6 engagements wana chaque fois que tokoloba likambo ya création d'emploi obosanika awa tout de suite na ce plateau je vous ai parlé de plus de 500 000 emplois créés et je vous ai indiqué secteur par secteur comment on a créé ça je venais de dire ici je vous ai parlé il y a secteur et la sécurité parce que lobby que mboka ezana bitumba ndio bitumba Congo ezali bitumba ya bisoté ezali bitumba à l'interne té ezali bitumba e bouti na libanda pona minerai na biso parce que ezali bandongo misu bapaya oyo batindi suko le lelo batindi ba candidat mususu ya bapaya baya po baya kozo bokonzi oyo bi mboka na biso ezali déjà délivré tozali lisusu na poste ya kozo un président de la république ou azana origine d'outès té tous allez déjà délivrer de cette malédiction Anna. Tous allez la moins n'emboka. Tous allez délivrer alors que tous allez travailler pour n'emboka. Tous allez délivrer alors que tous allez sous occupation. Tous allez délivrer les lots. Tes occupations ils allez nini. Ils allez bâtir territoire mokwana. Ils allez payer mubimbate. Parce que moi j'ai toujours posé. À négliger. J'ai toujours posé la question. C'est à négliger ça non mon kie. Ce n'est pas à négliger. J'ai toujours posé la question. Pourquoi lorsqu'on veut parler on généralise. Nous acceptons que nous sommes envahis. Nous sommes envahis par une armée étrangère. Mais nous nous préparons. Madame, chaque jour quand j'entends qu'on a tué autant de compatriotes, que nos compatriotes, nos sœurs, nos frères sont en déplacement, parce que Kofanda, Tiki Banda qu'on a bango, parce que Kofanda, Bisika Mokobo, parce que Baboui Kofanda, et si Kamunguna a eu Kozoa, Mabele Nabiso, tous les colis qui a été, à un centimètre, il y a un beau cannabis, et qu'on était, il y a un autre qui a préparé l'armée. Alors, on va finir avec maintenant les candidats que vous soutenez. On va peut-être atterrir. J'y va nous aider à défiler sur certains candidats. Voilà, mon nom est Jean-Lucien Boussa, à Ali numéro 13, dans territoire à Boudjala. 113. Alors, na Sengi, na Boudjala, bazo landabiso, na banzichen, na bino, kendarati, na Boudjala. Et kendarati, kanyon. Ah, voilà. Donc, bah oui, nous sommes au landabiso. Wana, kuna ba benga kaye, mundele mouyindo. Mundele mouyindo, pona nini, pona ba réalisation. Oui, il y a ça là pour l'intérêt de la communauté. Comme tel que quoi? Des écoles que lui-même construit, des centres de santé. Et au moment où je vous parle, il est en train de construire. Et là, comme quoi, mon éne, au Tobengi Stade à Gemena, ils allaient réalisation là. Ils allaient ça là pour que, bah, imboka, bah, na kuna ya sud ou bangi, bah, beta kabal, bah, ça la kapé sport, bah, ça la compétitif, nandenge to organisé qui, ma kamboa francophonie, tu l'as qui peut tous, na moi champion moko. Guna auti kuna na ngemena uyu na studio bangi est ce que zali mabe ya li malam ya ngona singi ete ba voter massivement auto bengi mabeke manswa donc mundele moyindo donc numéro 113 bobo sanate tokozongelango d'accord on va prendre un autre candidat wana kombo nae nyamboyo jessica azali numéro 100 956 candidate nabiso na changu to singi bana changu azana organisation munene kuna Azali ko travailler na ba mama oyo ba teka ka ba makala o ba teka ka ba mapa neti ngai pe na ba rombo e kuna ye pa fandisi makambo nene kuna ba benga ka ye maboko bank parce que ezate ka azana bongo ebele mais azali na posa azana motema ko salisa d'accord madame Jessica Nyamboyo Boussa wana yalamuki elle est de la famille de wana yalamuki mabanza je reviens wana kombo na ye Gauthier oui Gauthier Azali Boko Katina Lingoma na biso ya CDR Azali candidat na Kimbanseke Azali Moko Soko Moni Azali ba organiser foyer bien
Et puis, il y a des choses qui la sociale, participation citoyenne, le développement, il y a commune. Et na banzi soki ba pesier opportunité et koza malamu à côté en assemblée provinciale parce que baza mingi kati na bango ba kopona ngai pe po ngai pe na kende na koma sénateur to kende ko bunda kuna likolo. Donc le ministre Jean-Lucien Boussa a aligné aussi ses enfants à ces législatives. Non, et je crois que ce n'est pas un péché et parce que lorsque c'est juste une question. Lorsque l'enfant manifeste la volonté de prendre part à l'activité politique, il est tout à fait normal que son père puisse lui laisser le faire. Sinon, oui, une travailleuse comme vous n'avez pas d'idée, c'est comme aujourd'hui. Sinon, ce qui m'a dit, c'est que Diakoufaki, à Kende qui boit, à Forma qui m'a tout le lot, il y a tous à la voix, tout le monde qui tous à la. Obé, Naba, Mioué, les gens qui sont dans le mutisme total, dans la gouvernance. Mais nous, là, aujourd'hui, de Kotiseke, il y a Tikelebus au moine. Et Mokitani Naye, Yamune Neotobengi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est un problème de volonté. On ne peut pas mettre son enfant à côté lorsqu'il a des aptitudes et il a la volonté de travailler. C'est question de compétence aussi. Voilà, le Congo n'est pas un royaume de père en fils. Non, non, il est compétent. Ouais, ouais. Il a un master, d'ailleurs, pour votre information. Wana Boloko, Azali Pasteur, Mokambi Mounen, Omuni Nangambo Kuna Tozali Nandolo, Kabengele, Azali candidat aussi national. Na aza interfédéral pour na Lukunga parce que biso ngomba Kinshasa to kabola ngona 4 na kaka ninge ba commune ba Tchango ba district na biso ezalaka donc ye azokamba Lukunga donc aza pe candidat a ona Lukunga na banzi bana Lukunga bo sala confiance de Kondolo et puis de ko Boloka mais ça mutu moko na moni vidéo nani photo na ye lekina note madame Dorothée Kangokolongo. Ce qui est l'équipe, donc, parce que Wana, c'est notre Jeanne d'Arc. Elle est la présidente de la Ligue des jeunes du CEDER. Et c'est là, quand elle passe, elle descend, elle est candidate provinciale à Angaliema. Et quand elle passe, elle électrise tout le monde. Donc, je crois que c'est rare, même moi, des fois, quand je passe à Barumbu, c'est les gens, papa Kabola Lipa, papa Kabola Lipa, mais yaye, le qui, donc, Nasingi Banangaliema, et puis, Kabola Lipa, Moussouso, Bazakuna Nangaliema, Boutchele, vraiment, Madame Dorothée Kankolong, c'est le numéro 312, et ça, je connais. Ça, vous connaissez le numéro 312. Alors, quelles sont les ambitions du CEDER? Ah, voilà, le dernier numéro, c'est le numéro 20. Ce numéro, c'est un numéro magique. Le numéro magique, pourquoi? Parce que ce pays a été envoûté. Oh. Le pays a été envoûté par des dirigeants, des gouvernants, sans vision, sans sens du patriotisme vrai, même s'ils pouvaient en parler. Aujourd'hui, le président a parti à Kabila. À côté qui kuna na cadre à dialogue azalaki mutu ya Kabila te à côté qui kuna na cadre à dialogue parce qu'il fallait organiser des élections et ils ont réussi en organisant des élections aujourd'hui qui ont porté un opposant au pouvoir que nous soutenons aujourd'hui. Alors je voulais dire mon amboka Tshisekedi azali bénédiction et une grâce pour ce pays. Vous savez, nous avons connu des dirigeants dans ce pays et vous savez ce qu'ils ont fait, mais bouta la réalisation n'a pas il y a 5 ans. Nous prenons seulement le 5 ans. Au Talinaba secteur, kili. Azali Koloba a engagement Mokwa Lobby et le pouvoir d'achat. Nabanzi, tout n'a qu'il y a question kili. Azali Kotala, Azondima, que voilà, mon abuse est perdre, moi, Valère Nango. Et ce qui monnaie, Azali Ko perdre Valère, attends ce qui te foutu Moutou. Bon, le salaire est changé immédiatement. Mais il faudrait que, tout bunda pour que dépréciation en ça le matin. Et c'est ça un des engagements que le chef a donné. L'emploi, il a dit, il va en créer. Économie productive, il a dit, il va le faire. Il donne l'exemple. Il dit, voilà là où je suis. Vous savez que le lot, pour la production, autolobi à économie. Alors, il n'y a rien à dire que le sous-souté. Il n'y a rien à dire que le sous-souté.
Alors, non, il faut transformer. C'est un engagement fort. Wana Ezali, indépendance économique, où il faut arracher avec le numéro 20. Voilà pourquoi il faut le voter. Comment ça se passe déjà sur le terrain? Parce que tout le monde est vital caméra et qu'on notable. Il y a Est, Moko et Tamboli, que ne jamais sous-estimer l'adversaire. Est-ce que, quelque part, l'Union sacrée se sent menacée? Comme ma question est allée continuer, il fallait en conclure avec le mot. Mais comme ma question est allée conclure, la zone répond. Il n'y a aucun candidat qui nous fait peur. Et ça même de Kokatumbi. Naebi que de Kokatumbi a ali moko, oyo il fallait à fin de Kimia. Bapessier moi, opportunité à s'amuser comme tous les autres, parce qu'il y a un candidat Moussousou, oyo Bazali, na. Et la compétition, hein, Bazali de la Bango, bah, candidat vrai. Parce que la monnaie déjà mis ça à ta campagne et bandité. Bah, oh, Bango Bango Bakay pas Ndeko Moïse. Ndeko Moïse, Azali, Congolais, mais Afanda, Kimia, parce que Yambalo, pas Namboka, bah, c'est pas comprendre qu'on ne peut pas commettre une erreur deux fois. Il y a coupé ça le sous Bokonzi. Namuto a sa nationalité douteuse, origine douteuse. Au continent fond, il y a l'Ikanisnaï, tout ce qui n'a origine douteuse, candidat de l'étranger, Nebino Bozo Bengaye. Mais fond, il y a. On a dit le cité comme moi, Mfayou le thème. Parce que Namoni Bino, il y a Azali Nambongo, Bapese, Bapaye, Mbongo et Belé. Et Mbongo Anna, et si Moussou Saïba. Comment l'inga Fayou par rapport à Moïse? Il y a eu le cotou na yo. Mais Bissopi, tu te dis ma Fayou, parce que Fayou a eu mon amboka. Yo, qu'on dit ma papa, maman, à ta yo moko. Yo, Bapesi Mouto a comme gouverneur. A Sombi, Karim Migné, na Simeon, na Jekamine. Deux semaines seulement. A te kango na 5 millions. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est un. Il y a eu un problème. Et quel est le problème qui a surgi là-bas? Yo, au sommet, il y a le gouverneur. Au sommet, il y a l'État, il y a 6 millions. Deux semaines après, il y a 6 millions. Donc, il y a le Congo n'a pas besoin des affairistes. Le Congo a besoin des gens qui viennent pour travailler. Pour servir le peuple et non pour se servir. Merci beaucoup, Malamboka. Malobano Yasuka, Toshite. Nazali Kolika, numéro 20, le 20 décembre, pour tout le Kokita et Bakala Kotikala. Tozali Kolika, parce que Tozali Nandambe. Malamboka Tiseke, Nazali Mokona Bakrambi, depuis que Mboka Nabiso est indépendant, Oyo, Abondeli Mboko Namaboka Nandambe. Nous avons déjà un départ, un vrai départ. Un départ sur des socles réels. Et le pilier, ce sont les 6 engagements du chef de l'État. Nous demandons au peuple congolais, et surtout à ceux qui nous suivent, nos militants et sympathisants, il n'y a pas de problème. Nous nous adressons à ceux-là encore qui hésitent. Et ceux-là qui pensent qu'il y a encore de mieux ailleurs, de pouvoir rectifier le tir, de comprendre véritablement les 6 engagements. Ce ne sont pas le projet simple, c'est véritablement un engagement, une décision que quelqu'un prend pour dire que si vous me votez, voilà ce que je veux réaliser. Et je crois que le pays va se transformer et le développement de ce pays va commencer et ce sera une évidence. Totondi Botondi. Na pesho pe Botondi, Madame Naomi, benganga pe na ba émission musu. Ndeko Dan na pesho Botondi parce que atako ba question na yeza la kamakasi mingi, mais na banzi ete ba yimbo ka ba comprendre les arrêts qui pour na bimisa ma immense na zéro. Un pot de simbili comme promesse tende ko Dan émission ici. Merci beaucoup Madame Naomi, merci beaucoup Monsieur Philippe Moulinga. Merci d'avoir été avec nous. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci Madame Naomi. Et donc on va se retrouver donc une autre fois avec d'autres candidats pour Face à l'opinion spéciale campagne électorale. Bonsoir sur vous. Bonsoir.